la forêt amazonienne, les dieux ont voulu qu'ils se rencontrent pour la première fois. L'homme et la femme se sont entre-regardés de arriba abajo, y de abajo arriba, y de arriba abajo. J'aime beaucoup, beaucoup raconter la tradition orale de mon pays, aussi bien des racines espagnoles que des racines africaines. Mon île, c'est mon bien-aimé crocodile vert. Quand on regarde la carte de Cuba, c'est de là que ça vient, ça a la forme d'un caïman. Et on dit qu'elle a les yeux fermés, mais que lorsque les histoires sont là, le crocodile, il ouvre les yeux pour écouter les histoires. Lorsqu'il a vu que la blessure de la femme s'est mise à saigner, il s'est dit, aïe, 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 pero qué cosa ha hecho, Dios mío. Parfois, c'est un bouquin qui me tombe entre les mains et là, je découvre une histoire. Ça veut dire, elle me découvre, elle me choisit parce que c'est l'histoire qui choisit le conteur. Alors, je mélange, c'est un mélange de tout ça, la tradition orale, la littérature cubaine qui est très riche. Aussi, je mélange avec la poésie et bien sûr avec le chant. Oh, lo fini lo gua, oh, guidon. Oh, guidon, papa la be, la be, fon la be, a que te oma, a que te oma, we see.